ce soir Gérard Miller, Jean-François Derek, Isabelle Mergaud, Annie Lemoine, Valérie Mérès et Philippe Gueluc. J'ai l'impression, mon cher Philippe, qu'il y a une éternité que vous ne vous pas. Mais nous, avions d'autres représentants qui ont été mis à l'honneur, notamment les... À quoi, où ça? À l'honneur. Ah, oui. Les championnes de tennis. Et puis notre Belge, là, qui gagne le basket. Oh non, 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 attention. On va en reparler dans un instant de ça, mais attendez, il est français. Hein, Gérard Miller, tout va bien? Très bien, je suis ravi de voir Philippe Gueluc. Comme c'est gentil, Gérard. Je trouve qu'à la différence des autres, Gueluc ne vieillit pas, il rajeunit. Ah oh bah d'accord. Oh bah non, c'est vrai. Mais c'est parce que j'essaye de vous ressembler. Je dis ça parce que j'ai assisté à un truc dans les coulisses. Ah oui? Ah oui, 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 où Philippe disait le vrai âge de Gérard et ça lui plaisait pas. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Non, mais il a raison. D'abord, faut pas dire son âge, ça change tout le temps. Alors. Vous ne dites jamais votre âge, par exemple, Isabelle? Ben non, pour cette raison-là. C'est difficile à prononcer, je crois que Allez, il est temps de passer à la photo du jour. C'est celle de Jean-Pierre Raffarin dans sa reprise du dernier tube de Johnny. Oh Marie, si tu savais toutes les grèves que l'on m'a fait. Le Premier ministre qu'on voit en train de prier a en tout cas décidé d'envoyer, vous savez peut-être, une lettre à tous les Français pour expliquer sa réforme sur les retraites. Et personnellement, c'est fait. J'ai reçu sa lettre ce matin. Elle est très directe, sa lettre, hein, Monsieur Raffarin. Regardez, la voici. Gérard, vous avez déjà reçu la lettre du Premier ministre ? Je l'ai reçue ce matin. Cher Gérard, je sais que nous ne sommes pas du même avis, mais je compte beaucoup sur toi. Enfin, une lettre très chaleureuse, très sympathique. C'est pas vrai, il a envoyé la même lettre à tout le monde. Cher Gérard, il l'a envoyé peut-être à tous les Gérards. En tout cas, c'était marqué comme ça, c'est incroyable. Et non, mais en plus, il n'est pas sûr d'être lu. Donc, pourquoi pas avoir fait une émission de télévision, par exemple? C'était bien, ça, comme idée, non? C'est vrai, il aurait dû le faire au milieu du truc de Johnny. Comme ça, il était sûr que les gens regardaient. De son côté, le ministre François Fillon a été photographié, lui, hier, sur les bancs de l'Assemblée nationale pendant ce fameux débat sur la réforme des retraites. Et regardez, manifestement, en réalisant des dossiers, il vient de s'apercevoir ce qu'il allait toucher si sa réforme est appliquée. Je sais que toujours ces photos sont drôles, mais elles sont très cruelles, très injustes, parce qu'on peut toujours prendre quelqu'un dans n'importe quelle position. Vous voyez, si je fais ça, par exemple, on va croire que je pleure alors que simplement je m'essuie les yeux. Si je fais ça, on va croire que je t'embrasse alors que... Alors que je t'embrasse, oui, c'est vrai. On sait pas ce qu'il fait. Ou il est en train de vérifier qu'il a la laine fraîche. Par les yeux. Ah, ils sont bien, les filles. Autre photo, celle de Tony Parker, devenu vedette nationale depuis, vous le savez, qu'il a gagné le championnat de basket nord-américain. Alors évidemment, comme il est né à Bruges, en Belgique, qu'il a un passeport américain et aussi un passeport français, certains font un peu la fine bouche. Ce qui est vrai, après tout, c'est que deux passeports pour un seul basketteur, c'est beaucoup. Vous allez voir que ça va pas tarder à provoquer une nouvelle manif des sans-paniers. Voilà. C'est pas parce qu'il est né en Belgique qu'il est belge, Philippe Gueluc. Ben non, et c'est pas parce qu'il est de parents anglais et américains qu'il est français non plus. Oui, mais Laurent il a vécu Ruquier. En France, et ça fait très longtemps qu'il est en France, et son papa avait demandé lui-même la nationalité française. En tout cas, quand on s'appelle Parker, avoir un stylo à billes avec une aussi grosse boule au bout, c'est... Ça, c'est vrai. Je me surprends, Gueluc, que tu n'aies pas remarqué qu'il y a une vieille tradition française. Tous les Belges célèbres finissent par être français, de Simenon à Hergé, en passant par Johnny Hallyday. C'est un classique. C'est vrai, c'est vrai. Toi-même, tu es français. Je le deviens. Ce qui serait sympa, c'est que nous, les Belges, nous envoient tous leurs mecs bien, et nous, on leur envoie tous nos cons. Ah ben, c'est... On n'aura jamais assez de place. Tony Parker. Qu'on appelle aussi Tipeee, hein, TP sont ses initiales, oui. A posé pour une photo, une pose à l'américaine, regardez. Alors avec le cigare, évidemment, mais François nous précise ce matin qu'il n'a pas allumé ce cigare pour la bonne et simple raison qu'il ne fume pas, notre basketteur. Un peu comme Bill Clinton, il utilise le cigare, vous voyez. Parker va pas tarder à être invité dans La main au panier, la nouvelle émission américaine présentée par Monica Lewinsky.
Allez, autre photo, celle de Marseille, la ville de Marseille, où après 11 jours de conflit, les éboueurs ont repris le travail et où pour atténuer, nous dit-on, les mauvaises odeurs dans la ville, mauvaises odeurs liées aux immondices et à la canicule, évidemment, on a décidé, à Marseille, de parfumer tous les trottoirs à la citronnelle. Résultat, il n'y a plus un seul moustique pour boucher le port de Marseille. Et tout ça, c'est quand même la faute à Sarkozy, parce que même les éboueurs n'osent plus faire le trottoir. D'après les nouvelles révélations publiées par la presse ce matin, les éboueurs ont aussi repris le travail à Toulouse. Et à force de faire les poubelles, on va bientôt nous apprendre que Claude Nougaro a couché avec le groupe Zebda. Autre photo publiée par l'Humanité qui permet désormais de mieux comptabiliser, regardez cette photo, le nombre de manifestants dans une grève. Vous divisez le nombre de CRS par 3, 3 bâtons égale 1 manifestant, vous additionnez et vous avez la participation à la manifestation selon la préfecture de police. Des nouvelles de Samy Nasseri, que le tribunal correctionnel de Paris a finalement condamné hier à 5 000 € d'amende, 8 mois avec sursis et un retrait de permis pour 3 ans. Alors sans permis, après taxi 1, taxi 2, taxi 3, c'est bicyclette 4 qu'on verra bientôt sur les écrans. On termine par le feuilleton Maïté dans Nice People et cette photo publiée par François prouve que manifestement, à Nice People, on s'emmerde autant dedans que devant. Et surtout, après Jean Pascal, Gilbert Montagnier, Sophie Favier, Maïté, on se demande qui sera la prochaine star à rentrer dans la villa niçoise. Au rythme où ça va, la semaine prochaine, ils vont faire rentrer Guy Lux. Oh. Mais c'est, au moins, ils mangent bien, non? Oh bah, avec toutes les andouilles qu'il y a dedans, il y a de quoi cuisiner, c'est sûr. Le 7 juin dernier, à Saint-Martin-des-Champs, en Bretagne, a eu lieu le championnat de l'homme le plus fort de France. Oui, 15 athlètes pleins de muscles et de cervelle aussi, il ne faut pas croire, s'étaient donné rendez-vous en Marseille pour s'affronter à travers des épreuves a priori comme ça, un peu bébêtes, mais quand même, vous allez voir, très difficiles. Il y a eu par exemple le tiré de camion de 9 tonnes, le porté de valise de 180 kg ou encore, clou de la journée, Annie Lemoine, je sais que vous adorez ça, la course de bonbonnes de gaz. L'expression « mon père, il est plus fort que le tien » a donc encore de belles années devant elle. Dan Bolander, avant qu'on reçoive deux de ses hommes les plus forts de France, Dan Bolander est allé sur place tester pour nous, se mesurer à l'homme le plus fort de France. Regardez cette caméra cachée par Frédéric Gilbert. Bolander à Morlaix, j'ai testé me mesurer à l'homme le plus fort de France. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Cupidon. Cupidon. Ah, là, là. Christian, qui est ici, lourd. Je fais semblant que ça soit lourd. En fait, cette année, ils n'ont pas vu de moi la compétition. Alors moi, je me venge, je dénonce l'arnaque. Tout est truqué, hein. Eh oui, c'est que des faux, en fait. C'est barbant. C'est du bidon, hein. Ah oui. Ah oui, c'est complètement bidon. Oh, bah, je suppose un peu. Je vais faire semblant de soulever une œil, donc très lourd. Un peu, oui. Regardez. Tenez, prenez-la. Ça a l'air d'une vraie. Oui. Eh ben, c'est du polystyrène. Ah, nous, on peut pas savoir. Hein. Ah, mais comme ça, vous le savez. Je m'en doute un peu, parce que ça fait lourd, hein, tout ça. Là. C'est impossible. Là, oh là là, ouais. Non, mais c'est truqué, c'est du faux. C'est du chiqué. Vous êtes au courant? Ah, oh, bah oui, ça. Mais ouais. Le camion, là, il est en première. Allez, pour les bras, c'est le camion. Entre nous, il y a quelqu'un au volant. Ouais, il est en route. Il accélère. Regardez le mec. Regardez, il fait semblant de le tirer. Regardez. N'importe qui peut le faire. Je suis bidon. Je suis un méga frime, bourré d'aspirine. Cette borne là, ouais. Bon, elle pèse 240 kilos. Ouais. D'après vous, c'est possible de la soulever ou pas? Faut essayer pour moi. Attends, il faut que je vous montre. Ouais. C'est pas du bluff. Vous êtes impressionné là? Ouais. C'est complètement bidonné. Ah ouais. Bidonné, Mais tout est faux. Tout est faux. Le mec il soulève les valises là. C'est du polystyrène. Il faut faire semblant que ça soit lourd. Ouais. Alors, ce qui peut marcher, c'est de pousser un cri, vous voyez. Prêt? Ouais, allez-y. Bon bah, vous y arrivez. Et bah voilà, même vous y arrivez. On ne sait pas si Dan Bolander se fait casser la gueule à la fin de sa caméra cachée.
on va accueillir celui qui a gagné les derniers championnats, accompagné par celui qui a fini troisième au concours. Voici Didier Roland et Philippe Foussard. Ne faites pas mal, hein. Ne me faites pas mal tous les deux. Non, alors, attaché, ah oui, c'est pas du faux, hein. Didier Roland, c'est vous. Vous êtes vainqueur ex-aequo. Ouais, tout à fait, ouais. Mais vous êtes alors en même temps, attention, je ne veux pas dénoncer une magouille, loin de moi cette pensée, mais quand même, vous êtes aussi l'organisateur des championnats. Ouais. Alors, quand on organise, gagner, c'est un peu suspect tout de suite. Ouais, on a complètement truqué l'épreuve là, hein, parce qu'on a fait les Écossais, on les a logés dans un bar, on les a fait boire la veille, donc. C'est pas vrai. Non, non. Non. C'est une blague. Mais vous ne trouvez pas que les boucles d'oreilles, ça fait un peu efféminé? Ah bah si, complètement, mais je revendique mon côté féminin. Vous n'avez pas la cognée qui va avec? Oh, c'est vrai que vous faites péder, toi. J'ai rien dit. Et alors, vous, Philippe Foussard, pas Froussard, on a dû vous le faire 10 000 fois. Oui. Philippe Foussard, vous avez terminé troisième. On n'a pas dû lui faire. Vu comme il est, on lui a pas fait. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas dû oser vous le faire. Il faut être sur un plateau télé, parce que je me dis qu'en direct, il m'arrivera rien sur ce plateau. Vous n'avez pas osé me casser la gueule. Vous avez terminé troisième, vous. Troisième? Oh, la bête. Par qui a l'idée de ces épreuves incroyables? Par exemple, tirer un camion de 9 tonnes. En même temps, j'ai vu les images. Attention, c'est tirer un camion de 9 tonnes avec des roues. Ah oui. Ah oui, fastoche. Non mais attendez, un camion de 9 tonnes avec des roues, ça fait plus 9 tonnes. Un camion, ça a des roues. Un camion et 100 francs à main. Voilà. Je vais venir l'année prochaine. L'année prochaine, je viens. Ouais. D'accord. Mais alors moi, vous m'en venez. Non mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des épreuves internationales en fait qui sont toutes référencées, donc on a. Ça existe, ça partout dans le monde. Ouais. Ouais. Et alors, par exemple, le porté de bonbonne de gaz, c'est curieux, j'avais jamais entendu parler de ça. Ah, j'avais compris, c'est bonbonne. Ça pèse combien chaque bonbonne de gaz? Il y a 125 kilos dans chaque main. Là. Se tenir le plus longtemps possible debout avec une valise de 180 kilos dans chaque main. Ça, c'est une des autres épreuves. Vous, pour avoir terminé troisième, sur quelle épreuve avez-vous, on va dire, si j'ose le dire, un peu plus faibli? Qu'est-ce qui vous a fait rater le titre? Faibli, le camion au départ. J'ai mal démarré, ouais. J'avais pas les clés. J'avais les clés, mais j'avais pas mis d'essence, c'est peut-être assez, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, tiens, je vais m'inscrire au championnat de l'homme le plus fort du monde? Pourquoi cette envie? En fait, vous avez passé toute votre enfance à vous faire traiter de froussard, alors vous avez fait les muscles et maintenant... Puis là, on vient sur France 2 pour se faire traiter d'efféminé. Très drôle. Ami Lemoine, vous qui aimez les sportifs, musclés, costauds, et bien là vous avez deux services sur un plateau. Je me demandais si vous avez été utile, hors compétition, dans certaines circonstances, à une femme par exemple. Ouais, sinon, question, j'en sais rien. Bricoler, j'imagine c'est compliqué, aussi. Ça. Nous, on ne peut pas réfléchir, on fait que soulever. Non, mais grâce à votre force, un jour, vous allez peut-être, je sais pas, dépanner quelqu'un. Pour ouvrir les boîtes, vous savez que Karim Flamel, je dérape. Hein. Complètement. Oui, et puis, les couvercles. Complètement. Et puis pour lui faire comprendre des choses, parfois. Aussi. Quelle horreur. Isabelle Mergaux. Alors, moi, j'adore. J'adore. En plus, je sais pas, je vous trouve rassurant. N'essayez pas de vous rattraper. Ah non, c'était une blague. Enfin, tous les gens comme ça qui sont très musclés et tout, je les trouve très rassurants et généralement ils sont très doux et très gentils dans la vie. Quoi, c'est vrai. C'est vrai, vous êtes doux et gentil dans la vie. Ouais. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas. Est-ce que vous castagnez? On n'a pas peur par définition. Voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a pas envie d'aller agresser les gens. Mais bon, c'est vrai qu'on a quand même un sale caractère quelque part des fois aussi, quoi. Alors j'ai envie de demander à Philippe Foussard. On va amener une corde sur ce plateau et on va voir Jean-François Derec si vous arrivez à tirer, vous débrouiller. Philippe Foussard qui va tester Jean-François Derec ou peut-être le contraire. Allez Jean-François. Comment tu vas, toi? C'est là-bas. Ah, super. Allez, là. Allez, vas-y, va. Allez, on y va. On va voir ce que t'as dans le bin, toi. Hein. Et moi, j'ai mon vieux truc, moi. Et c'est les chatouilles. Alors, allons-y, le tir à la corde. Derec contre le troisième homme le plus fort de France. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, bah, il faut le tirer. Attends, je vais y arriver. Vas-y. Oh là là. Ah non, mais j'étais pas prêt. Attends. J'étais pas prêt. Philippe. Viens me donner un coup de main, Jean-François. Viens me donner un coup de main. Peut-être que deux chroniqueurs suffiront. Ah.
Gérard, vous essayez à trois. Moi, je vais vous dire, je crois que j'ai assez montré dans cette émission mon sens de l'égalité. Voilà. Deux contre deux, ça suffit. Vas-y. Attendez, Pousse, je pense qu'on a besoin de quelqu'un, par exemple, mademoiselle. Je crois que... Non, on va essayer avec Gérard. Allez-y, Gérard, allez de l'autre côté. Gérard, viens te mettre là. Non, je vais rester avec son copain. Ah, pardon, on va se mettre plutôt comme ça, pour pouvoir partir. Dans le... Comme ça, on a la pente, tu vois. Ah non, non, c'est normal. Moi, ma technique, c'est de me mettre très loin. Là, je viens tirer. Bon, attention, là, on y va. Un, attention, deux, on tire, allez-y, on tire, on tire, allez-y, plus fort. Oh, messieurs, allez, messieurs, au premier rang, allez-y. Les trois, quatre messieurs au premier rang, allez-y, allez-y. Allez-y, les quatre messieurs au premier rang, allez-y, mes petits canards. Voilà, ça y est. Je vais rejoindre nos deux invités, qu'on peut encore applaudir, les deux hommes les plus forts de France, Didier Roland et Philippe Foussa. Ça a eu lieu à Souillac le week-end dernier. Il y avait du monde. Saint-Martin, à 2000 personnes. 2000 personnes. Manifestement, le public qui prenait du plaisir. Ça va être rigolo à regarder et à suivre. Ouais, ouais. Et donc, la prochaine fois en France, ce sera quand? On va tâcher de faire un truc à Douarnenez l'année prochaine. Hein. Au mois d'août, en pleine fête. Là, ça bouge là-bas. Venez août tous. 2004, les hommes les plus forts de France. Ouais. C'est plutôt rigolo, plutôt sympa. Merci d'être venus nous voir tous les deux. Ben, merci à vous de nous avoir invités. Merci. Notre invité maintenant, c'est Julie Delpy. On l'a vu cette année dans la très célèbre série américaine Urgence. Alors on se disait, enfin, une actrice française qui marche aux États-Unis. Mais attention, son talent ne s'arrête pas là, puisque Julie Delpy est aussi chanteuse. Au mois de mai est sorti son premier album, qui s'appelle comme elle, Julie Delpy. Et vous pouvez trouver son single, Mr. Unhappy, déjà dans tous les bons magasins de disques. Tiré de cet album folk jazz, donc la première chanson, Mr. Unhappy, évoque entre autres, et c'est un peu le cas de toutes les chansons de l'album, le carnet intime d'une jeune femme à la vie sentimentale chaotique. Il faut dire que dans Urgence, avec le docteur Kovac, c'était pas simple tous les jours, j'imagine. Elle va nous le dire. Voici donc, pour tester son disque, Julie Delpy. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Pour cet album, très original, je trouve. Et combien de temps que vous chantez ces chansons? Oh, ça fait... en fait, j'ai commencé à écrire des chansons il y a à peu près 3 ans seulement. C'est pas, il y a pas tellement longtemps, mais en fait, je faisais de la musique depuis très longtemps et puis je me suis remis à la musique. De la clarinette au départ, je crois. Eh oui, la clarinette, oui. Vos parents avaient dit, elle a une bouche pour faire de la clarinette. Ah, c'est pas mes parents, non, c'est mon prof de musique. Ah, pourquoi il a dit ça? C'est curieux, il y a une bouche pour faire de la clarinette. Il y a intérêt, une bouche pour faire du piano, ça sert à rien. Oui, on dit bien, on a des mains pour jouer du piano, pour papa, une bouche à la clarinette. L'album de Julie Delpy n'a pas de titre, c'est un album éponyme, il porte votre nom. Et c'est vrai que c'est une belle découverte pour ceux qui ne vous connaissaient pas en tant que chanteuse, parce que moi j'ai vraiment aimé ça, je trouve que c'est folk. Mes copains, peut-être, eux, vont donner leur avis après, il sera peut-être différent, mais c'est très agréable. Limite parfois, et ce n'est pas une injure dans ma bouche, mais limite berceuse parfois, j'ai l'impression. Oui, il y a des valses, des choses très douces aussi, du rock, enfin c'est un mélange. On écoute tout de suite avec un extrait de la chanson Mr. Unhappy. Avec 12 chansons essentiellement des balades, on peut dire. Oui, des balades. Annie Lemoine, vous avez écouté l'album? Oui, j'ai écouté. Je suis partie, je vous cache pas, qu'un préjugé assez défavorable, parce que je me suis dit encore une jolie fille qui s'accompagne à la guitare. Ah. Il y en a une il n'y a pas très longtemps. Après Carla Bruni. Voilà. Et je suis complètement, évidemment, séduite, conquise. Je trouve ça vachement bien. J'adore le single Mr. Unhappy. Je sais pas qui c'est Mr. Unhappy, mais il a de la chance que vous lui ayez fait une chanson comme ça. Est-ce que les chansons sont toutes vraiment autobiographiques? Est-ce qu'il y a vraiment un type que vous avez largué parce qu'il était totalement insatisfait? Parce qu'il était chiant. C'est le thème de la chanson. Oui, ça peut arriver, oui. Non, enfin, oui, c'est le thème de la chanson. Il se reconnaîtra. Oui, oui, d'ailleurs, il s'est reconnu. Je lui ai passé la chanson. Il est très content de la chanson. C'est lui, d'ailleurs, je l'ai peint aussi. Enfin, je sais pas. Ah, parce que vous payez aussi. Enfin, vous... Non, non, mais tout n'est pas autobiographique, heureusement, parce que sinon, ma vie sentimentale serait un désastre, mais non, tout n'est pas autobiographique. Gérard Miller,
dans vos chansons, il y a quand même des textes qui sont surprenants, y compris très d'actualité. Quand même, votre cinquième chanson sur le sadomasochisme, où vous avouez une certaine fascination pour le sadomasochisme. C'est conservateur de Toulouse. Oh, quelle horreur. Oh, c'est horrible. Non, mais c'est vrai que vous n'êtes pas exactement là où on vous attend. Dans les non, textes mais d'ailleurs, cette chansons. Chanson n'est pas du tout autobiographique. Vous dites, c'est une chanson inspirée par le récit d'un copain adepte du sadomasochisme. Je suis assez fasciné par cette soumission totale à l'autre, un acte finalement généreux et sain. Quand il est consenti, évidemment. Bah, évidemment, entre deux adultes consentants, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Je veux dire, moi, je respecte toutes les formes de fantaisie. Moi, c'est pas du tout mon truc, mais ça me fascine assez parce que je trouve ça... quelque part, j'ai trouvé que sa vision des choses était assez généreuse, en fait. Voilà. Valérie ? Bah, moi, j'ai plein de choses à dire parce que moi, je suis assez bluffée par tout ce que fait Julie, quoi. Elle a eu le courage de partir aux États-Unis alors que... on est peu nombreux. Alors qu'elle n'avait pas de billets. À la rame, c'est dur. Je trouve que vous avez vraiment une carrière éclectique formidable, aussi bien en France qu'aux États-Unis, que partout d'ailleurs, parce qu'il y a aussi Sora avec qui vous avez travaillé. Sora, j'ai travaillé en Angleterre. William Sora. Je dirais que vous êtes en terrible forme ce soir. Mais j'ai pas le temps de choper. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Donc là, Isabelle a un fou rire, j'adore ces moments-là, elle pleure de rire. Et là, maintenant, vous dire ce que vous voulez, elle va rire, par exemple. Éléphant rose sur la montagne. Non. Mais moi, je voulais dire plein de choses bien. Alors, allez-y. Profitons-en, Valérie. Oui, non, mais c'est vachement bien parce que j'ai vu que vous peignez aussi, vous chantez, vous réalisez. Moi, j'ai un respect énorme pour les actrices qui savent faire tout ça, quoi. Et en plus, votre disque, il est formidable. Annie, pourquoi tu dis une jolie fille? Même à la limite, elle ne serait que jolie fille, elle a le droit de chanter, quoi. Enfin, bon. Non, c'était une façon de faire un super compliment. C'était une façon. Ça s'appelle une olive. Je peux avoir un rapport direct. De toute façon. Merci, en tout cas. Valérie, quand même. Mon seul regret, c'est que c'est vrai que j'aurais bien aimé tout comprendre et donc j'aurais voulu. Mais c'est elle qui se passe. Pardon, Julie Delpy, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais je monsieur, suis c'est elle qui me fait rire, monsieur. C'est elle. C'est parce que vous. C'est elle. À la poudre, voilà. Oui, un petit peu de poudre, un petit peu de poudre. Je suis désolée, sous les yeux, là. La télévision, là. Alors, Valérie. Oui, j'aurais bien aimé avoir plus de chansons en français. Non, enfin, c'est terrible. Bon. Alors, vas-y, parle. Vous n'avez pas le droit de vous retourner, vous devez regarder le téléspectateur en face. C'est une question de respect. Valérie. J'aurais aimé plusieurs chansons françaises parce que je trouve que la seule est vraiment bien, évidemment le thème chacun, mais elle est vraiment bien et je trouve que votre voix est très adaptée pour chanter en français. Ah oui, quoi. Ah bon, j'en écris plus maintenant en français. Et vraiment, chapeau quoi. Oui. Voilà, merci. C'est un bel album, franchement. Isabelle, à vous maintenant. On va moins rire. Non, c'est vraiment très bien, c'est vrai. C'est pas dansant, mais vous avez une voix. Il y a des intonations de temps en temps à la Tanita Takkaram, vous connaissez? Non, excusez-moi, je suis désolée. Ah, si, je connais. Si, bien sûr, je connais. Si. Une grande star. Oui, avec du hautbois, un très avec joli morceau. Avec une voix, Du hautbois. Ah, du hautbois, vous avez dit? Oui, enfin non, il y a une chanson qui est très connue. Oui, il y a un hautbois, c'est ça. Look my eye, nanana. C'est pas ça. Ça a l'air bien. Twist in my sobriety. Voilà, Twist in my sobriety. C'est ça, oui, c'est ça, c'est du hautbois. Merci, Serge Calfon. Et non, c'est vachement bien, vachement bien. Ah bon, merci. T'es complètement charmée. Et c'est non, c'est un disque à pleurer. Non, vous avez. Mais vraiment un charme dans la voix. Vous vous souvenez qu'on a tourné ensemble? Ah non. Oh merde. Dans quoi? Eh ben, elle avait le rôle principal, moi tout est beau, et elle frappait à la porte et elle s'ouvrait, elle disait non, c'est pas là. C'est dans quoi? Dans quoi? Bah, citez les 10 films dans lesquels vous avez tourné, Isabelle. Oh non, j'en ai tourné plein de petites merdes. Je sais. Merci. Jean-François, moi j'aime bien que vous rassure. Vous savez, le fait que vous soyez une jolie fille n'a rien à voir dans le fait qu'on aime vos chansons. Vous auriez été moche, de toute façon, on vous aurait pas invité. Donc, n'importe quoi. Oh. Moi, je trouve moche. Il y a un titre qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle
Something Beat Vague, donc on peut donc traduire quelque chose comme une vague beat. Tu m'étonnes. Je me désolidarise. Je ne connais pas. C'est les professeurs d'anglais qui m'ont traduit. Alors, ils savent quelque chose de mieux que toi. Une vague beat, alors. Et ça, c'est bien parce que vous prenez position. Non, dis donc, attends. Ah non, non, il y a de l'électricité. Non, j'essaie de rafraîchir. Mais enfin, non, c'est bien de prendre position sur le fait que vous n'êtes pas contre des petites aventures sans lendemain. Continue, hein. Et c'est vrai que pour nous, les hommes, on aime bien ça parce que. On aime bien, surtout les hommes mariés. Hein. On aime bien des. Parce que les filles, elles cherchent des trucs sérieux. Et nous, ça nous oblige à leur raconter des bobards. On n'aime pas ça parce qu'on est vachement sensible. Terrible, ça. Oui. Et donc, le fait que vous, vous disiez que vous êtes pour, eh ben, c'est sympa pour nous. Hein. C'est sympa. Mais c'est terrible, Jean-François. Il y a un autre aspect de votre personnalité intéressant. Vous êtes. Plus ou moins, peut-être plus que moi, styliste. Et je fais certains de mes vêtements. Voilà, faites des vêtements. J'ai même lu, vous avez déclaré ça dans une interview au journal 20 ans, que vous cousiez parfois des robes tout en mangeant et en discutant à partir simplement de vieux tissus amassés depuis des années. C'est vrai, ça ? Oui, oui, je fais des robes très rapidement. Très rapidement. Oui, oui, oui. Bah, j'ai des tests que j'ai. Sur ce plateau. Oh, vous allez vous donner un mannequin. Voici Isabelle Mergo qui va aller au centre tout de suite. Isabelle, je vous en prie. Julie Delpy. Ah non. Julie va vous rejoindre. Oh, on vous a même des tas de morceaux de tissu. Oh. À vous d'habiller Julie Delpy et Isabelle Mergo à votre façon. Bah, écoutez, je vais lui faire une robe de plage. Allez, putain, je suis tombée dans un trou. Regardez. Oh, c'est joli, hein. Oh, oui, c'est joli. Au soleil. Pour Isabelle. Alors voilà, c'est une robe de plage, mais vous voyez, on voit la chatte devant, donc c'est sympathique. On voit la quoi? Voilà, c'est une robe de plage. Voilà, on peut mettre... Non, mais si elle on était nue... On voit la chatte? Non, non, j'ai rien dit, pardon. C'est ça qu'elle a dit? Oui. Derek, je pense que t'as une chance avec elle. Hein. Voilà. Ah, bien. Ah oui. La chatte derrière le grillage. C'est pas mal. Non mais finalement, non mais c'est bien la preuve qu'avec rien, vous faites déjà c'est quelque incroyable. Chose. Bravo Julie Delpy, non c'est pas mal. Test réussi. Excusez-moi d'avoir dit un gros mot, ça est sorti tout seul. Bah non, ah non, c'est pas un gros mot du non. tout. C'est un mot très très charmant. Ouais. Très charmant. Dire, vous avez une chatte chez vous, Isabelle? Oui, mais bah alors, perd ses poils. Et, Il faut arrêter de faire du vélo, vous l'avez. Oh non, Philippe, non. En tout cas, nous, pour être sérieux, deux secondes, on a vraiment aimé ça. Moi, franchement, j'ai aimé ça. Oui. Ah, merci. Sincèrement, Julie Delpy, c'est l'album et le premier single s'intitule Mr. Unhappy. Merci à vous. Merci à vous. Direction Villiers-sur-Mer, dans le Calvados, où les propriétaires qui laissent traîner leurs vaches n'importe où vont devoir se méfier désormais. Oui, parce que la gendarmerie du secteur, qui en a assez de passer son temps à courir après ces bestiaux égarés, a proposé de taxer d'une amende de 22 euros les agriculteurs qui ne veillent pas sur leur bétail, sur les vaches qui s'échappent. Donc des PV pour les vaches, ça va être une nouveauté. On va voir si elles vont continuer à se marrer, les vaches qui rient. Dan Bolander est allé vérifier sur place. Il a testé pour nous, en tant que cowboy, verbaliser les vaches. Regardez cette caméra cachée par Benoît Cresson. Bonjour, ici Dan Bolander en Normandie. J'ai testé verbaliser les vaches. Oh, chef, vous êtes vache. Non, allez lui mettre un PV. Vous êtes en état d'arrestation. Un PV. C'est vous. Bonjour, madame. Nous venons du ministère de l'Intérieur parce qu'il y a un problème par rapport aux vaches qui en fait s'égarent, donc ça crée des accidents de la route. Les gendarmes et les pompiers locaux sont surchargés en fait de plaintes. Dans certains coins, les vaches ils sont toujours sur la route, mais c'est pas chez nous. Bon, en revanche, là, il y a un problème avec votre clôture, c'est-à-dire que les clôtures vont être, vous voyez ici, rehaussées de 50 cm. Mais vous êtes ils sont barjots. La clôture, il faut plus la refaire parce que ça n'est pas si. Bonjour, monsieur. Les clôtures vont être rehaussées maintenant de 50 cm. Vous les bêtes? Oui. Vous êtes pas de ma gueule, non? Merci, monsieur, c'est obligatoire. Non, pas de question. Voilà, deuxième problème, il y a des bouses de vaches un peu partout sur la route. C'est moi, peut-être, non? Alors, et justement, ce sont peut-être vos vaches. Donc, de toute façon. Vous êtes pas de ma gueule, mes vaches? Mais pas du tout, monsieur. Non, mais. Donc, alors, il faudra ramasser les bouses de vaches, monsieur, avec les sachets que nous avons ici. Sinon, ça sera une amende de 11 euros par bouse de vache. Vous pouvez
Rappelez-vous les photos au cul. Il va vous arriver de l'histoire. Vous allez prendre des trempes, hein. Vous allez voir que ça va tourner mal. Ça va finir mal, vos conneries. En tout cas, pour la bouse de vache que nous avons trouvée là-bas, il faudra vraiment la ramasser. Ah bah, c'est pas nous. Ne se fout pas de ma gueule, m'amener. Fallait pas. Prouvez qu'elle est un autre bestiole. Allons-y à la bouse de vache. C'est bien une bouse de vache. J'ai l'impression que c'est une bouse de vache. On va y aller voir. Où est votre bouse de vache? Où elle est cette bouse? Ah, ça y est, des complices sont certainement. Si ça se trouve, c'est ça. Oh non, mais non, des complices qui ont enlevé la bouse. Une bouse de vache? Attendez, sérieusement. Je sens qu'on va s'y prendre. Non, Michel. Attendez, vous avez enlevé une bouse de vache? Mais c'est qu'elle est ta mère, mon Dieu! Vous voyez que vous êtes de mauvaise foi. Mais tiens, vous êtes de mauvaise foi. Vous savez qu'elle est la mère. Attendez, tout à l'heure, il y avait une bouse de vache ici. Et pour éviter. Je suis monté. Pour éviter l'amende, vous l'avez enlevée? Oui. Bon, en tout cas, c'est bien, elle a été enlevée. Y'a pas que les noms, y'a pas que les noms, y'a pas que les vaches qui sont folles. Y'a pas que les vaches qui sont folles. Le plus gros problème que nous avons, ce sont les vaches qui donc s'égarent sur la route et qui créent des accidents. Alors donc il sera obligatoire de mettre sur les vaches ce type de lampe à l'avant et à l'arrière de l'animal. L'été, à partir de 22h... Les parigots, ils ne connaissent rien dans la culture. Mais si vous vous foutez là-dedans, dans ce métier-là. Bon, en tout cas, vous devrez mettre à l'avant et à l'arrière des lampes. D'accord. Les vaches pas sur la route, on n'a pas de bêtes sur la route. Non, les vaches... On n'a pas de bêtes qui vont sur la route, merde alors. Excusez-moi, si je comprends bien ce que vous nous dites. Oui. Les bêtes qui sont comme là dans l'herbage, il faut qu'on leur mette en prévision qu'elles sortent des lampes. Ça au cul, voilà. À la queue. Oui. Reconnaissez au fin fond de la chose, vous dites des... c'est pas vous, je ne vous accuse pas, mais le ministère que vous représentez est complètement... Des propres rien. Voilà. Dan Bolander à la ferme. À Dan Bolander, à chaque fois, il cherche belle, hein, c'est le cas de le dire, hein, parce que c'est dangereux. Il va se faire casser la figure. Ah, mais c'est ce qu'on espère. On espère, on essaie de lui faire faire les trucs les plus dangereux qui soient et on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. En tout cas, c'est un sujet sérieux, il y a des vrais PV pour les vaches en Normandie désormais. Oui. Ben non, mais ça va poser un problème, des PV pour les vaches, je veux bien, mais regardez, moi j'ai un document accablant. Comment va-t-on fixer le PV sur le pare-brise de la vache? C'est joli. On va accueillir un agriculteur du Calvados qui possède 120 vaches, c'est vous dire s'il a du boulot. Voici monsieur William Langin. Bon alors d'abord j'ai envie de vous demander si c'est vrai cette histoire, on a lu ça dans les journaux, dans France Soir particulièrement. Les gendarmes veulent vraiment verbaliser les vaches? Et oui c'est vrai, mais c'est la loi, 11 euros par vache c'est la loi. 22 mais 22 euros, non, oui pardon. Mais... Ah cherchez pas déjà à mégoter. Hein. Non, non. Les gendarmes chez nous ils font attention parce qu'on a déjà les manches retroussées. Et puis vous les connaissez à la campagne, on les connaît les gendarmes, c'est des copains. Oui tout à fait on les connaît, mais bon... quand les gendarmes du Calvados font 300 sorties dans l'année, la nuit, pour rentrer les vaches, c'est vrai que c'est désagréable pour eux. Parce que c'était de plus en plus fréquent que les vaches sortent de leur champ, passent l'enclos? Plus en plus fréquent, non. Mais ce qu'il y a, il y a des gens comme, je vois, comme Isabelle, qui est une francilienne. Quand elle va en Normandie, elle vient pique-niquer. Elle ouvre la porte, toc, elle rentre avec les vaches pour pique-niquer avec son copain. Et puis, bah, comme ça, quand elles repartent, bah, ils laissent la porte ouverte. Je vous ai vu faire. Et puis après, bah, nous, les vaches, elles sont dehors. Ah, j'avais pas compris que vous disiez ça. Mais, ah bon? Non. Mais c'est comme ça qu'elles s'échappent, les vaches? Bah, en partie, comme ça, oui. À cause des parigots tête de veau? Non. Mais Isabelle, vous confirmez, il vous arrive de pique-niquer avec votre copain? Non. Et vous préférez piquer, d'abord, ou... Niquer ensuite. Ce que je veux dire, c'est quand il y a des moments de sortie, il y a aussi quelques agriculteurs qui sont un petit peu laxistes hein, sur leur clôture. Ça peut être aussi les animaux sauvages comme les sangliers qui font peur aux vaches et qui cassent les barbelés. Voilà. Ça peut être les pêcheurs aussi qui vont dans les champs et qui laissent les portes ouvertes. Il y a plein de raisons. Qu'est-ce qu'ils font dans les champs, les pêcheurs? Les pêcheurs. Les quoi? Les pêcheurs, ils viennent pêcher. Dans les champs? Oui, dans les champs. Oui, oui, dans les champs. Oui, monsieur. Ça oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Non, mais... Qu'est-ce qu'ils pêchent dans les champs? Des betteraves. Des betteraves. Des betteraves. Valérie d'abord. C'est quand même débile. Alors à ce moment-là, on met des PV aux sangliers qui traversent la route, aux chevreuils, un truc comme ça. Ça arrive aussi. Ne t'énerve pas, Valérie. Mais... Le sanglier est un animal sauvage. Ben oui, la vache est un animal. C'est aussi dangereux qu'une vache. Mais... Non, mais la vache, ça symbolise la campagne. Donc oui, mais si Valérie, des... la vache, elle est comme vous. Elle a ses boucles d'oreilles. Monsieur Langin, comme vous y allez! Non, mais ce que vous voulez dire, c'est vrai, c'est qu'un sanglier qui traverse sur une route, le seul responsable, c'est le sanglier. Tandis qu'une vache qui sort de son champ, le responsable, c'est l'agriculteur. Exactement. C'est donc lui qui doit payer le PV. Bah, c'est lui qui doit le payer, oui. C'est lui qui est responsable, en tout cas. Hein. Voilà. Et vous, alors, ça vous est déjà arrivé d'avoir un PV?
Ça ne nous est pas arrivé d'avoir un PV, mais c'est vrai que des vaches qui sortent, ça arrive souvent. On en a encore eu une la semaine dernière dans la commune d'à côté. Elle est tombée dans une piscine. Bon, c'est Maïté dans Night People. C'est les pompiers qui ont sorti la vache, mais ça fait le gag de la journée, quoi. Ça, j'imagine, une vache dans une piscine, ça va être génial. La respiration artificielle, pour la rajeuner. Vous allez un peu loin, notre étang parisien, parce que Gérard Miller, par exemple, a été éleveur de cochons. J'ai travaillé comme porcher pendant 2 ans, ce qui est quand même relativement long dans une vie de... Ça devait être long pour les cochons. Annie Lemoine, ma chère Annie. On ne vous a pas entendu sur ce sujet. Mais non, parce que je me sens pas... On dit pas mais, on dit me. Je me sens pas très compétente. En tout cas, cette histoire de vachette nous permet, avant de recevoir tout à l'heure notre dernier invité, de rendre hommage à Guy Lux et à son Interville, parce que là, on est lâché les vachettes et un peu partout et personne ne disait rien. Absolument, et à Julie Delpy aussi. Est-ce que monsieur connaît, je peux vous raconter rapidement, une histoire, c'est un collègue de la télévision suisse romande qui avait fait un reportage dans une ferme en Suisse. Il interrogeait le fermier sur les animaux qu'il avait dans la ferme. Il dit, je vois que vous avez des vaches. Il dit, est-ce que vous êtes content de la production laitière? Ben oui, il ne faut pas se plaindre. Il dit, elle donne combien? Ben ça dépend. Les noires, il dit, elles donnent entre 20 et 30 litres. Ah bon, et les blanches? Les blanches, entre 20 et 30 litres aussi. Oui, il dit, je vois que vous avez aussi des moutons et des trucs, c'est pour la viande. Il dit, non, c'est pour la laine. Il y a une bonne production. Ah, il dit, il ne faut pas se plaindre. Il dit, les noirs, on récolte 50 kilos de laine. Ah bon, et les blancs? Les blancs, environ 50 kilos de laine aussi. Mais le journaliste s'énerve, il dit, vous m'énervez, vous. C'est toujours les noirs, les blanches, les noirs, les blanches, c'est toujours la même chose. Il dit, pourquoi? Il dit, ah, mais ça, c'est parce que les noirs, il dit, elles sont à moi. Ah bon, et les blanches? Les blanches aussi. Très belle histoire. On va conclure en lançant un appel aux gendarmes du Calvados. Un peu de clémence, peut-être, avec les vaches qui s'échapperaient. Et puis, effectivement, s'il y a récidive de la part des agriculteurs qui ne font pas trop attention à la façon dont leurs champs sont clôturés ou à la façon dont les barrières sont fermées, eh bien là, peut-être, il faudra verbaliser, mais un peu de clémence au départ. Oui, je pense qu'il faut de la clémence. Et puis, ça va faire son chemin aussi pour les gens qui ne font pas trop bien leur clôture. Parfait. Oui, monsieur Langin, bon retour dans le Calvados. Merci. Merci. Au revoir. Notre dernier invité, puisque vendredi dernier, vous le savez, Guy Lux nous a quittés en laissant derrière lui une immense carrière de producteur et d'animateur de jeux télévisés. Il a diverti la France entière avec des émissions pendant les années 80, 90 au début, mais surtout années 60 et 70, des émissions culturelles, disais-je, peut-être pas tout à fait, comme Interville, le Schmilblick, Ringpad, Cadence 3, Système 2, ou encore Jeux sans frontières. Guy Lux, c'est un peu l'inventeur de la télévision populaire. On regrettera évidemment ces fameuses vachettes dont on parlait tout à l'heure. Et c'est à vous, Simone, nous avons voulu, nous aussi, rendre hommage ce soir à Guy Lux, un des papas de la télévision. Et pour ça, on va recevoir celle qui, pendant de nombreuses années à ses côtés, a co-animé les émissions de variété signées Guy Lux. Voici la chanteuse, la fantaisiste et l'imitatrice Sophie Darel. Bonjour Laurent. Bonsoir Sophie. Bonjour, ça va? Alors, à chaque fois que je vous annonce, maintenant je fais très attention à bien prononcer le D pas. De Darel pour qu'on ne vous confonde pas avec le G de Sophie Garel. Mais je la trouve rigolote, moi, Sophie Garel. Mais j'imagine. Ah oui, c'est vrai, mais c'est marrant parce que quand je fais des spectacles, les gens me disent c'est le soir à la télé, je vous reconnais pas. Je dis somme toute, c'est un peu normal. Alors vous avez appris, comme tout le monde, évidemment, la disparition de Guy Lux en fin de semaine dernière. Curieusement, si je ne me trompe pas sur la date, décédé un vendredi 13. Oui, et c'est assez curieux parce que lui, il était vraiment, vraiment, vraiment superstitieux. C'est-à-dire qu'il était capable de mettre les mêmes chaussures un an de plus parce qu'il les avait mis une fois et que ça avait bien marché dans une émission. Alors après, il ne les quittait plus. Et puis surtout, c'était un joueur, un flambeur. Ah oui, ça, c'était son péché mignon. Mais c'est vrai qu'on a dit plein de trucs. C'est quelqu'un de populaire et c'était souvent un peu péjoratif. Il n'a jamais été très aimé des médias. Mais c'est au moins quelqu'un qui n'achetait pas ses concepts, qui les créait. Et je trouve qu'on n'a jamais assez reconnu ça. Même si c'est populaire, je ne vois pas pourquoi. C'était un inventeur. Voilà, exactement. Il est parti à l'âge de 83 ans. Il aurait eu 84 ans le 21 juin prochain. Combien d'années à co-animer des émissions de variété avec Guy Lux? 8 ans toutes les semaines, à 20h30. Et on vous voit là avec... Ah oui, c'est moi. Avec lui à l'époque. À droite? Oui, on va. Non, merci beaucoup, c'est gentil. La première émission, c'était laquelle?
C'était Les Étoiles de la Chanson. Les Étoiles de la Chanson. Voilà. On peut dire que la première, d'ailleurs, à avoir co-animé avec Guilux, c'était Anne-Marie Pesson. C'était le palmarès des chansons. Ça avait créé un scandale à l'époque parce qu'elle était enceinte et qu'elle continuait à co-animer l'émission avec Guilux alors qu'elle avait un gros ventre, évidemment. Oui, oui. Mais à l'époque, c'était les débuts de la télévision. Bien sûr. Les téléspectateurs écrivaient aux chaînes et aux magazines de télé en disant « C'est intolérable que cette femme présente une émission de variété alors qu'on voit qu'elle est enceinte. » C'est quand même dingue de penser. Moi, j'ai présenté une émission où j'avais une robe un peu transparente et où on voyait mes doudounes, bah, j'ai failli me faire virer. Quoi. Ah, c'est vrai que Guilux, alors ça, pour dire, moi j'étais gamin hein, à cette époque-là, mais... Oh, ça va, c'est pas la peine de ramener ça tout le temps. Hein, j'avais repéré que Guilux était tout le temps, mais tout le temps, plongé dans vos décolletés. Bah, pourtant, c'est pas énorme, mais ça se tient encore, d'ailleurs, je dois dire, Franchement, c'était une caractéristique de l'émission. Oui, mais c'est vrai, bah, il aimait bien... Allez, on va chercher Sophie. Et pourtant, il s'est rien passé. Gérard Miller, un mot sur Guilux, qui je l'imagine à l'époque, parce que quand même les intellectuels n'aimaient pas ce genre d'émission, ça devait pas être votre tasse de thé. Lorsque c'était Guilux dans sa splendeur, j'étais enfant, ou en tout cas adolescent ensuite, donc à ce moment-là... On n'exagérait pas quand même. Bah, désolé. J'ai démarré en 71, moi, alors vous étiez... Non, je parle de Guilux. Ah bon, d'accord. Je parle de Guilux, c'était les années 60, c'était la télévision. Ne crie pas, elle n'est pas sourde. C'est la pluie, c'est à cause de la pluie. C'était la télévision. Je crois qu'on n'imagine pas ce que c'était que cette télévision. Il y avait une chaîne où je me suis rappelé qu'Alain Perfit, le ministre du général de Gaulle, confirme que le général de Gaulle ne ratait jamais, président de la République, jamais un interville. Et lorsque Eisenhower, chancelier allemand, est venu, Perfit raconte qu'en effet, à un moment donné, il a installé le chancelier allemand devant la télé pour qu'ils regardent ensemble, dans la maison de Gaulle, interville. Donc c'était une télévision qui a bercé l'enfance et l'adolescence de millions de personnes. Ouais, vous êtes très sincère. Hein, vous dites, c'est un type à qui je dois tout. Il est un type formidable. J'ai beaucoup de respect pour lui. On est resté, amis jusqu'au bout. Mais quel caractère de cochon, quoi. Quel emmerdeur, on peut le dire. Il a même été accusé une fois d'avoir balancé un micro dans la gueule d'une technicienne. Oui, il était capable de tout, mais en fait, c'était quelqu'un de hyper inquiet, qui c'est pour ça d'ailleurs. Donc, il avait pris cette philosophie en vieillissant, parce que comme il n'était plus à l'antenne, il s'en foutait, et voilà. Moi, je n'ai jamais vu Guilux à la télé. Ah, c'est pas vrai. Parce que, moi, en Belgique, j'avais pas la télé, et j'avais et surtout pas la télé française. Donc, je ne l'ai connu qu'à travers les sketchs de Coluche, et puis qu'à travers les pubs à la radio. Et puis, à travers ce qu'on en a dit dans la presse, et je voudrais d'ailleurs dire, évidemment, ça a occulté certaines autres informations, notamment celle-ci. Frédéric Deban, l'ancien acteur de Sous le soleil, est de retour dans la série. Ça, c'est important quand même. Et ça, personne n'en a parlé à cause d'un truc. Et... C'est dommage. Je trouve qu'il essayait d'amener du rêve à la télé. C'est-à-dire que les gens étaient bien habillés, il y avait un grand orchestre, il y avait 30 ou 40 musiciens, etc. Alors qu'aujourd'hui, on voit les gens en train d'aller faire pipi et tout ça. C'est pas la même télé, quoi, c'est vrai. Hein. Et puis, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, certes, on voyait souvent les mêmes artistes, Sheila, Sylvie Vartan et les autres, mais pas seulement chez Guilux, contrairement peut-être aux émissions des Carpentiers. Mais il n'empêche que le samedi soir, dans Top à Sardou, vous voyez Sardou qui recevait Chantal Goya et Carlos. Le samedi qui suivait, c'était Top à Chantal Goya qui recevait Michel Sardou et Carlos. Le samedi qui suivait, c'était Top à Carlos qui recevait Michel Sardou et Chantal Goya. Alors que chez Guilux, moi, je vois, il y a une chaîne câblée qui s'appelle Télémélodie, qui rediffuse les émissions de cette époque. Et je vois qu'à l'époque, Jean Ferrat, Isabelle Aubré, tous ces chanteurs, on dit des chanteurs intellectuels aujourd'hui par rapport à Sheila et aux autres, étaient effectivement reçus chez Guilux et faisaient 6 ou 7 chansons d'affilée. C'était le fameux palmarès des chansons, ou votre émission qui a suivi d'ailleurs. Ouais, alors, bah, tout, il y avait plein de titres, ça changeait. Tous les chanteurs passaient de Brel même Léo à Ferrat ou Brassens, ça, évidemment. Brassens, Léo Ferré, ça a été le plus mauvais sondage de toutes les émissions de variété. Donc déjà à l'époque, ça avait du mal, hein, le côté intellectuel un peu... Et Coluche aussi a démarré chez Guilux. Absolument, ça, oui, quand même... moi je l'ai connu vraiment. Il venait nous voir avec son sac à commission et tout ça. Je me souviens d'un jour où on avait reçu Raquel Welch, il vient vers moi, il me dit « Tu devrais pas accepter des gonzesses comme ça sur le plateau, ça te fait du tort. » Donc voilà, il est parti. Alors, il y a une chose aussi intéressante dans votre carrière à vous, Sophie Darrel, on va s'intéresser un peu à vous. Beaucoup. Aussi, puisque vous êtes là, c'est que avant d'être animatrice avec Guilux, vous êtes aussi imitatrice. Bah oui. Vous avez fait les cabarets, vous avez démarré avec Jean Valton, qui était lui-même un des premiers imitateurs fantaisistes de ce métier, bien avant Thierry Leluron. Et vous, Sophie, il n'employait que très rarement, Guilux, votre talent d'imitatrice. Si, si, j'ai fait souvent des imitations avec le grand orchestre, mais c'était décidé à la dernière minute. C'était le côté, dis donc, ma cocotte, tu peux pas nous faire un bout de Barton, là. Alors bon, tout de suite, on recherchait, et puis 3-4, on y allait. Et Arlette voilà, Laguiller qui rendrait hommage à Guilux, ça donnerait quoi? Camarade travailleur, pendant des années, tu n'as pas été reconnu. C'était une dure lutte. C'est vous qui me l'aviez écrit, ça.
Anne Sinclair qui rendrait hommage à Guy Lux. Anne Sinclair. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis heureuse et en même temps triste de vous annoncer la mort d'un pionnier de la télévision, Guy Lux. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait à la télé. Madame, monsieur, bonsoir. C'est venu comment, votre nom, d'ailleurs? Parce que j'ai vu que c'était pas votre vrai nom, Sophie non, Darrel. Je m'appelle Trottier. Comment vous vous appelez en vrai? Liliane Trottier. Liliane Trottier. Ben oui, ça faisait gay, remarquez, mais bon. Oh, Liliane pas... Trottier, vous auriez pu faire carrière en vous appelant Liliane Trottier. Bah, c'est peut-être pas trop tard, vous pensez? Liliane Trottier, au César Palace, tous les soirs, en ce moment à Paris. On vous remercie d'être venu nous parler de Guy Lux. Merci Sophie Darrel. Restez avec nous. Il y a encore un jeu. Le jeu suivant, Sophie, c'est quel? Alors, le jeu suivant. Bah, je ne sais pas du tout. C'est qui dit quoi, non? Qui a dit quoi? C'est parti! Un peu un jeu à la Guy Lux, finalement. Bah, oui, hein, oui, qui oui, a dit oui, quoi? Oui, 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 et bon, coco, voici la première fois, si en plus de mes talents de chanteur, je vais les faire dans si en plus de mes talents de chanteur, je suis agréable à regarder, c'est un atout supplémentaire. Les maris doivent l'accepter, leur femme même. Qui a dit ça? Bruel. Ça pourrait être Bruel, mais ce n'est pas Bruel. Iglesias. Ce n'est pas Iglesias, mais on va dans la chanson internationale. Ricky Martins. Non, pas Ricky Martins. Martin. 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 Oui, Carlos, il n'a pas pu dire ça. Pas Carlos. Un anglais. Non, il n'est pas anglais. Ah, si vous trouvez, si vous trouvez sa nationalité, alors, vous allez avoir... Iglesias. Bulgare. Non. Espagnol. Pas espagnol. Italien. Italien. Ah, comment il s'appelle? Eros Ramazzotti. Bravo, Philippe Gueluc. Nouvel album qui sort d'Eros Ramazzotti. Autre qui t'a dit quoi? J'ai commencé à regarder le match, mais je me suis endormi tout de suite. Oh bon, ça pourrait être moi. Non. Oui, moi aussi, c'est sûr. Alors, je vous précise, c'est quelqu'un qui parle du match de basketball de Tony Parker qui a été diffusé en pleine nuit. Chirac? Non, pas Chirac. La femme de celui qui a gagné, non? Non, Madame Parker. Ouais. Non, parce que ça... Non. Raymond Barre. Non, c'est un sportif aussi. Hein, qui a... Ah, c'est un sportif. Zidane. Pas Zidane. Dans le foot? Dans le football, oui. Ah, dans le football. Français. Ah. Lisa Radu. Non. Mais on est dans l'équipe de France, c'est bien. Ah, ah petit, petit, petit. Pas petit. Pires. Pires, ah, bravo Gérard Muller. Pires. Robert Pires. Autre qui t'a dit quoi? En ce moment, tout le monde me parle de mon père, ça me gonfle. Ah, David Hallyday. Pas David. Non. Laura Smet. Laura Smet, bravo Valérie Mérès. Ah oui, Laura Smet. Ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ah, j'en ai pas gagné, c'est que je reviens en deuxième semaine. Vous savez comment ses parents ont failli l'appeler, Laura Smet? Non. Elle sait pas où. Elle sait pas où se mettre. Voilà. D'ailleurs, Patrice Lecomte nous a raconté qu'il y avait une blague que Johnny raconte lui-même. À l'époque où il était avec Nathalie, il disait, puisque c'est son vrai nom, quand les parents se mettent, Nathalie baille. Sophie Darrel, on vous remercie d'être passée nous voir. Ce soir, vous avez direction de César Palace pour un spectacle d'imitation et de chansons. Merci, je vais sortir un bouquin à la rentrée, mais ça, je reviendrai. Eh ben oui, il y a intérêt. On en reparlera, un bouquin à la rentrée sur un sujet grave, hein, d'ailleurs. Oui. Avec un très beau titre. Oui, qui s'appelle « L'éternité peut bien attendre ». L'éternité peut bien attendre, c'est un peu, on peut le dire en deux mots, l'histoire de votre guérison d'un cancer du sein. Voilà, absolument. Et vous donnez un peu... plein de témoignages, parce qu'on parle toujours des gens qui vont très mal, il y a aussi des gens qui vont très bien, et je trouve que c'est drôlement important. Et vous voulez donner un exemple d'optimisme sur ce sujet. Exactement. Parfait, merci, Sophie Darrel, on se retrouve demain à 18h55. We'll be right back.